épaules. Au bâton, le frappeur désigné, le numéro 32, Billy Harvey. Billy Harvey au bâton. Hey boss, on serait pas en troisième manche par hasard. C'est une correction. Alors ça, il est dit en quatrième manche, mais on est en troisième. Alors, let's go, Steakhouse. On a changé de vue, là. Autrement dit, c'est ma vue habituelle là, au terrain de balle molle. Ben, au terrain de balle donné à Saint-Anclin. Ouais! Ah, fausse balle! Là, c'est une meilleure vue. Parce que, ouais. Bon, je vois pas le lanceur, mais au moins, je vois le frappeur, le receveur et l'arbitre. Le gars qui a le job de la claquer. Le gars qui a le job de l'attraper. Le gars qui a le job de juger. C'est une prise d'une balle. Bon, là, c'est une fausse balle. Juste en arrière, tu peux. Non, mais j'ai gaspillé. Non! Cette là, ah, m'énerve! Oh! Maudit! T'es pas là en passé, je pense. Balle! Deuxième balle! Alright. On suit le même frappeur depuis 2 minutes. Ah oui, c'est parce qu'il a claqué une fausse balle. Troisième balle! Ouais! Au premier! Oui! Frédéric Morin, ben je pense. Au bâton pour la séquence Sheffield, le joueur de premier but, le numéro 50, Fred Morin! Ouais! Fred! Non, pas Fred Caillou, là, mais... On perd trop, hein. Fausse balle! Je pensais que le membre était un petit peu plus reculé. La bonne place. Plus besoin de rectangle du frappeur. Fausse balle! Un
Un autre simple par le Steakhouse Chapel. Le voltigeur de centre, le numéro 17, Ben Saint-Hilaire. Ouais, il dit Fred Morin, Ben Saint-Hilaire. Collé. All right. Yeah. Oi. Balle. Ouais, let's go, Rimouski. Ouais. Yeah. Double jeu. Ah, sauve! Il sauve au premier, mais... On va attendre pour le séquence chez Bull, le joueur de troisième but. Numéro 11, Jérôme Rousseau. Au bâton. Fin de deuxième partie de vidéo.